Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec mes super copines Farida et... Donc aujourd'hui on a encore une fois, parce qu'on galère, on a vraiment rien à faire de notre vie, on a décidé de juger vos secrets. Arrête de mentir. Par contre, tu sais, alors là, la galère. Stop. On galère pas déjà. On a plein de choses. C'est la seule qui galère ici. On a essayé de libérer un moment pour pouvoir fumer avec elle. On s'est dit que c'était hyper compliqué de les avoir. J'ai souffert. Ça fait genre peut-être 3 mois qu'on programme cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Il y en a qui bossent. Ah, elle bosse tellement. Et puis l'idée de juger, ça vient pas du tout de nous. Bon, on a pas l'idée. Non mais c'est ton idée de vidéo, t'aimes bien juger, donc tu ouais, pas. Ouais, mais vous aimez bien. Non, nous on n'est pas du tout dans ça, mais comme c'est la DA de sa chaîne. Non, elle avait la dalle de c'est des hypocrites. On a dit ok cette fois, mais c'est la dernière. Cette fille, c'est votre ennemi. C'est votre ennemi, n'est pas loin. De toute façon, on ne parle même pas, vous savez déjà au fond de vous que ces deux filles là, c'est des petites pestes qui passent leur journée au téléphone et après on vous critique tous. Voilà. Dis, c'est faux. Et moi, jure. Regarde avec ses yeux. Elle a pu faire ça. Avec mon père de gilet. Avec des fleurs. Et toi? Moi, je suis une femme très compréhensible. Comprends pas. Sif. Je vais bientôt sortir avec l'ami de mon ex. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous vous doutez bien que moi, étant psychopathe, je peux même m'arrêter à ce petit bout de phrase. Donc j'en ai demandé plus. Et quand je lui en ai demandé plus, elle m'a répondu et elle m'a dit... Je sais pas utiliser ton téléphone. Non. Alors, coucou. En fait, j'étais avec un gars, j'ai fait 2 ans. Et pendant notre relation, on faisait souvent des sorties avec son pote. Vu qu'ils sont... Écoute, t'es bien. Vu qu'ils sont étrangers dans mon pays, c'est limite mon seul ami ici. Du coup, on faisait toujours des sorties à 3. C'est de là que son ami a eu mon contact. Entre temps, la relation entre mon gars, mon ex, fermez la parenthèse, s'est dégradée subitement. Il a arrêté de me calculer, il me parlait plus, répondait très peu à mes messages, venait plus à la maison, il a même voyagé plusieurs fois sans me le dire. Bref, le quotidien avait changé et son ami était au courant de notre situation. Il a commencé à me faire des propositions de sortie, de Netflix, de chill, etc. De passer des week-ends chez lui. Et il est maintenant très présent. Ils ont gré ou pas? Comment? Est-ce qu'il a marqué s'ils ont gré? Attends d'abord. Et du coup, il commence à me parler de relations. Moi, je suis en mode, c'est bizarre. Ça veut dire quoi? Parce que Netflix et chill, ça veut dire qu'ils ont gré. Ouais, peut-être qu'ils ont... Moi, je comprends pas de quoi ils parlent. Vas-y, continue. Et pour préciser, avant que mon gars et moi on casse, lui ne voulait pas que j'ai le moindre contact avec son ami. Et l'ami était toujours là à m'écrire et me parler et tout et tout. Voilà, désolé de la longueur. En gros, elle est en mode, elle va bientôt sortir avec le pote de son ex. Et son ex, il lui a fait de la dinguerie de fou malade. Il a voyagé, il lui a fait de la dinguerie. Qui vous commence à parler? Parce que moi, ou à dire moi je dis on est honnête ou on n'est pas honnête? Vas-y. Moi je dis bien fait pour son ex, frère. Fall, c'est bien. Et ma mère, c'est ton histoire, c'est à toi. Fonce. Vraiment, fonce. Vas-y. Lui là, il se serait pas gêné, hein. surtout lui. Eh, on s'en fout, là c'est carré. Si le copain là il a dit je te veux toi et qu'il fait tout pour t'avoir alors que ton ex il faisait rien, vas-y. Et puis c'est même bien fait. Voilà. On sait même pas si elle se trouve c'est l'homme de sa vie, donc je pense aussi pas. Mais après, je pense qu'elle a peut-être peur des en mode oh regarde, elle sortait avec truc, mais un sang fou des blindes. Mais c'est son mari, elle peut pas savoir si. Faut essayer. En tout cas, en vrai, dit faut essayer. Chacun se cherche. Donc prends ton petit là, tu le prends bien. En plus il te fait des petites sorties, des week-ends, des Netflix and chill. L'autre,
prochain truc. J'ai mon goût au bled avec un villageois. Claire, déjà juste cette phrase starfoula. Mais tu sais clairement j'ai la migraine qui arrive et tant ça m'a attrapé. Ouais bah c'est normal qu'elle dise if I speak. Putain, elle m'a pas répondu en fait. Elle m'a pas répondu, elle m'a lâché la bombe et elle s'est barrée. Elle m'a lâché la bombe, elle s'est barrée. Mais ouais, en tout cas, en plus tu veux savoir c'est le drapeau. Voilà. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Moi je. T'as quelque chose à dire? Devinez l'origine dans les commentaires. Je me sens pas concernée. Devinez l'origine dans les commentaires. C'est que je suis même pas choquée. Mais pourquoi? Mais vas-y, ça me choque pas. Un villageois. Mais tu vois, t'es là, tu vas en voyage, tout ça. Ouais, pour te détendre. Mais elle s'est détendue. Avec le villageois. Et tu vas en voyage pour te ressourcer. Regardez maintenant. Mais elle cherche les villageois plus loin. Mais elle s'est détendue. Vous m'avez dit qu'elle m'a dit c'est les vacances. Elle a pris des vacances. Regarde, voilà. Avec un villageois. Bah oui, mais elle faisait quoi au village? Il y avait rien à faire. Et de la, donc c'est ça qu'on fait. Elle t'a dû aborder ça. Je sais pas qu'elle a dit. Écoutez, c'est vrai. Écoutez, en quoi elle a rien à faire, vous savez maintenant ce qu'elle fait. Ouais, voilà. Elle a rien à faire, là, c'est ça. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je la défends parce que. Si un jour vous la voyez au village, vous savez pourquoi. Vous allez dire qu'à tout moment, ça peut péter. Allez, parti. Fuck you! Mais c'est elle était au village. En plus, elle était bourrée tout ça. Elle était bourrée à mort et savait même pas ce qu'elle faisait, elle était villageois. Mais est-ce que moi j'ai dit ça quand t'as bien vu? Je suis choquée. N'envoyez pas Ambre au village. Moi, c'est tout ce que j'ai dit. Moi, je savais partir au village. En tout cas. Bah, on sait. Mais si, on peut voir là. Enceinte, ouais. Moi, dans le villageois. Alors, je suis sortie avec l'ex de Farida. De quoi? Oui. Attends, je sais pas quoi. Comment? Oui, je te jure. C'est moi? Mais j'ai pas d'ex, j'ai pas compris. Mais je sais, t'as pas d'ex. Mais c'est quoi? Attends. Tu lui as demandé plus de précision? Oui, okay. Après okay. Elle m'a dit okay, je rigole, c'était juste pour voir la tête à la tête. Moi je me la proquer genre voilà. Mais carrément j'ai bugué. C'est lunettes. J'ai même pas compris du coup que c'était pas dans toi. Ah ouais. Elle est obligée de la faire celle-là. Bah, j'ai pas d'ex en fait, donc c'est pas possible. De ouf, et tu sais que quand j'ai reçu ça, je voulais screen et te l'envoyer, genre pour que toi, je me suis dit, c'est mieux de le faire en vidéo parce que genre, chaque allait faire en mode. Du quoi t'as eu, hein. C'est ça, j'ai pas eu. Les lunettes, elles ont fait tomber. Oui, c'est vrai. On te met des problèmes, hein. Prochaine question. Ah, c'est parce que j'ai pas d'ex que j'ai bugué, j'ai même pas su qu'on parlait de moi. Allez. Secret, c'est d'avoir couché avec mon cousin et que je vais pas assister. Ouais, ouais. Encore? Beaucoup. Hein. Donc, elle a couché avec son cousin et elle assiste à son mariage le 8 décembre. Mais elle a couché avec lui quand? Mais c'est quoi le délire là? Pourquoi ils gagnent tout ça? C'est quoi? C'est dégoûtant. À chaque fois, dans chaque vidéo, ouais, vas-y, ils sont bizarres. Chaque ouais. Vidéo, vous voulez faire ça oh. Avec leur frère. C'est quoi ils font ça? Mais oh. C'est assez... Tu veux bien me le dire? Ah, oui. Allez. Alors, mon secret, en même temps, mon pire anecdote, c'est d'avoir couché avec mon cousin plusieurs fois en sachant qu'il avait sa meuf. Donc, pour la première fois, ça. Et en plus Donc, pour la première fois, ça a commencé chez ses parents, des ice contact et tout. Et puis, il m'a envoyé un message la nuit en disant de venir dans sa chambre car il avait une fois à dormir. Mais après, il y a emoji comme ça, mais toi, il y a emoji comme ça et puis tu vas quoi. Moi, il est pas trop méchant, et puis, il me donne un secret. Moi, comme une conne. Je suis partie et puis voilà, on a commencé à coucher ensemble et puis j'ai appris qu'il va faire son grand mariage le 8 décembre. Donc moi directement, je l'ai appelé pour savoir si c'était vrai et il me dit oui, il va se marier. Donc directement, je lui ai bloqué pour oublier tout ça. Je lui ai bloqué pour oublier tout ça, mais le lendemain il est venu chez moi, il a voulu coucher avec moi. Mais moi j'ai mis un stop en sachant que sa mère c'est la soeur de ma mère. Oh c'est son frère pour de vrai. C'est son frère, ouais. Pour de vrai, genre c'est pas son frère. Demi-frère. Non, c'est son frère. C'est horrible. Bah oui. Attends, c'est quoi sachant sa mère c'est la soeur de ma mère. Donc les filles, dites-moi ce que je dois réellement faire, si je dois partir à son mariage ou pas. Me jugez pas méchamment, vous êtes mes gauchiques mondiales. Ouh. Déjà ma père. Déjà ma père. D'abord tu vas prier. Déjà. Pour commencer d'abord tu pries voilà. Beaucoup ouais. Et puis demande pardon à Dieu beaucoup et après tu dis tu recommences plus c'est fini. C'est horrible après je bah, là c'est franchement va au mariage au point où t'en es. Franchement ouais. En vrai si tu vas en fait ouais si tu vas pas non non en fait, c'est un secret non ouais
Je sais pas, parce qu'en tout cas, elle a déjà qu'elle, donc ouais, qu'elle y aille, qu'elle y aille pas. Ouais. Le mal, il est fait, tu y ailles ou tu y ailles. Non, mais c'est ça, tu vas en mariage, tu regardes ses fesses, genre tu vas en mariage. Non, tu vas en mariage, tu t'es contente, t'applaudis, tout ça. En fait, moi, je serais pas allée, personnellement. Si j'avais fait ça, je serais pas allée. Parce que t'as de l'aller à ton cousin. Non, pas du tout, pas par rapport à lui, mais genre par rapport à sa future femme. Ça y est, frère. Parce que pour moi, j'aurais fait une dingue. Mais elle a déjà fait la dingue. Et de me dire, tu as vu, quand il va me voir, il va me regarder, il va penser. Mais ça sera son cousin toute sa vie, dans tous les cas, ils vont voir en famille. Ouais, c'est vrai, c'est au point où elle en est, qu'elle y aille. Ah, shit. Tu serais allée, toi, si ça avait été. Mais moi, ça peut pas être. Non, mais en fait, partons du principe, on se met dans la situation 30 secondes, genre. Tu serais allée ou pas? Toi, je serais allée. Dans tous les cas, je serais pas. Je serais allée après, je. En fait, c'est hyper récent, genre en mode. Mais par contre. Et moi, je serais allée après, j'aurais vanné la robe de sa femme. Ah ouais. Elle aurait vanné les demoiselles d'honneur. Après, j'aurais fait tout. Non, c'est tout. Vous êtes bêtes. Hein. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Mais non, mais en vrai, c'est une dinguerie ce que t'as fait. Ouais, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est pas dégoûtant. Ah, c'est ça, tu vas chercher un autre cousin pour remplacer. Ouais, c'est mort. Là, tu. Eh, prends les garçons de Dewa. Et toi, la plaque maintenant. Ouais, il y a un plat. Ouais, tu veux plaque, c'est partout. C'est une dinguerie ce que t'as fait, faut jamais faire ça. Tu t'arrêtes là pas les frères. En plus c'est vraiment ton frère, genre en mode vous avez un enfant, il est handicapé tellement cet frère là. Vraiment. Fais pas ça. D'accord. C'est fini. Mais tu restes notre copine hein. Mais tu fais plus ça hein. Tu l'as grondé. Ouais ouais. Elle a eu peur. Bah attends, c'est une dinguerie wesh. Coucou, alors moi j'ai vu ma copine en plein débat sexuel avec mon ex dans ma cave. Et du coup, lui aussi je suis partie le voir. Je lui ai dit, raconte-en moi plus. Attends, c'est un mec, je crois. Ouais, je crois que c'est un mec. En gros, je rentrais de cours et dans ma cave, il y a tout ce qui est machine, air fryer, etc. Je voulais faire à manger et ma copine, donc c'est un garçon, est au courant que ma cave est ouverte. Je vois sa tête. Attends, okay. Je vois ma copine et mon ex, en plus son ex. Attends, mais je comprends rien. Attends. Je vois ma copine et mon ex en plein débat. J'étais choquée, sachant qu'elle le détestait. Son ex. C'est Gabi qui a écrit ça. Attends. À skip par rapport à tout le mal qu'il a pu me faire. Alors attendez, je recommence. Attendez, je dis. Non, mais je te promets. Non, vous, j'ai besoin de voir ça demi-tour. Je te jure, je lis bien. Oh, non, mais j'ai besoin de voir ça. En gros, je rentrais des cours et dans ma cave, il y a tout ce qui est machine, air fryer, etc. Je voulais faire à manger et ma copine est au courant que ma cave, elle est ouverte. J'y vais, je vois ma copine et mon ex en plein débat. J'étais tellement choquée, sachant qu'elle le détestait. À skip par rapport à tout le mal qu'il a pu me faire. Mais c'est une fille qui t'a écrit. Donc elle est bi. Mais c'est... Non, c'est une fille et sa copine. Sa copine, c'est à son ami. Bah oui, ouais, chez toi, t'es con. Ah, mais ouais, t'es ouais, pardon, ah ouais, t'as fait trop. Mais moi aussi, t'avais douté au début. C'est parce que t'as dit que t'as dit un bouc. Donc bah oui, c'est bien. Bah ouais, mais j'ai un bouc. Là, c'est qu'elle a chopé son bouc en train de ken avec son ex. Non, sa copine. Avec sa copine. Ah, sa camarade. Sa camarade, quoi. Waouh. Bah désolé, hein. Je sais même pas quoi dire, en fait c'est dingue. Attends, waouh. Non, parce que toi vraiment t'as rien fait, ta copine c'est la poufiasse. Mais attends, mais tout le monde les deux. Poufiasse. Tout le monde est poufiasse. Mais non, c'est son ex en vrai. Les deux. Oui, c'est son ex, genre. Non, mais les hommes, on part du principe que c'est des animaux déjà. Bah, justement, c'est pour ça qu'en vrai c'est des animaux et puis. Bon, non, mais ça t'arrête. Mais ta copine elle fait quoi? Ouais, c'est ça, c'est la copine, c'est des grosses putes en fait. Non, les deux. Les deux c'est une dinguerie. Non, mais la copine en fait, moi j'aurais trop encore plus mal en plus pour la copine. Ouais. Mais c'est ça en fait, moi genre le mec en gros c'est son ex, c'est un chien, on sait même pas pourquoi ils sont plus ensemble. Vas-y, en gros il lui doit rien parce que vas-y c'est son ex, fin d'histoire, genre flemme de lui. Point. C'est-à-dire que j'aurais même pas eu le seum de lui parce que dans tous les cas, si. Ils sont plus ensemble. Oui, mais ils sont plus ensemble. J'avais toutes les femmes qui en ont tout. Ouais, oui, mais ils sont plus ensemble. C'est-à-dire que c'est des chiens et puis bah ça, tu vois. Mais non. Ta en plus, tu le pètes en plus. C'est ça en fait qui m'aurait fait le plus mal parce que les hommes, en fait, tu pars du principe qu'ils vont toujours foutre la mais merde. Mais c'est ça en fait. Donc t'es ça. Tu vas être choqué. C'est ça, mais vas-y. Mais tu t'y attends. Ouais. La copine, wesh, qu'est-ce qu'il y a? La copine. En plus, attends. En plus, tu l'attrapes. En plus, c'est chez elle. C'est ça le problème. Chez elle, genre. Dans sa cave. Toujours les clochards qui ont des comportements comme ça. Les mecs là qui vivent chez leur meuf qui payent les. Mais ça fait que c'est une clochard. Pourquoi tu vas qu'elle dans les caves des gens avec des frayeurs, frère, c'est quoi ça? Voilà. T'es archi ghetto en plus. C'est voilà, vraiment c'est genre vraiment ghetto. Hyper ghetto. Vraiment ghetto. Genre mixeur plus. Thermomix. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ta gueule. Ferme ta gueule.
Non mais wesh, en plus tu faisais au milieu des machines, des trucs, électroménagers. En fait. Faites des efforts. Et même pas chez toi, chez la copine. Oh, prends l'autre. C'est mélangé, mélangé. Au pire, vous êtes des clochards. Ouais. Voilà. Non, mais... pas toi. Comporte... Non, pas toi. T'es quoi, les mais du coup, elle clochard. Tu lui as pas demandé une suite, elle a fait non, quoi dans la merde. Non, comment une suite, wesh, t'es nous. Elle a pas planté, elle a planté mal. Elle appelle tout de suite. Elle a planté personne. T'es fin. J'étais capable. Non, méchant, ta voix et tout. T'as tout demandé comme ça, après nous. Pour vous, vous saurez pas la suite, mais nous, on aura la suite. Mais... toi, t'aurais planté, toi? Moi, j'aurais fait une dinguerie, c'est sûr. Je le cherche, je l'ai dans mon cœur. C'est tout là. Tu l'as connu très bien. Tu l'as connu très bien. Et j'allais mettre Spotify. T'as vu, moi, là, tu j'allais tomber à genoux. Non. Pourquoi? Non, mais c'est une dinguerie. Moi, par contre, je pense que j'aurais vraiment fait un truc de... je pense, sur le coup, j'aurais fait un truc de fou. Moi, je sais pas. Hein. Ah, gros, non. T'ouvres la porte, boum. Non. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, non, non. Alors, toi, tu vas refermer la porte. Faut le vivre. Ouais, faut le vivre. Moi, je vais y ressortir. Elle écrit. Je vous jure. Attendez, les gars. Attendez, là, c'est chaud. C'est chaud. Dis-lui, on est en train de filmer qu'elle écrit. Écris, on filme. Mais à ta gueule, elle est en train d'écrire. Calmez-vous. Non, non, elle écrit vite. Vite, vite. J'écris plus. Elle a sursauté et elle a dit ouais, on était foncé, je sais pas quoi. Je l'ai enculé, désolé du terme, et je l'ai pas fait. Et lui, je l'ai pas fait. Et lui, je l'ai pas fait, ouais. Comment ça, on était foncés? On est foncés, genre. C'est ce qu'elle raconte. Ce qu'elle racontait. C'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Mais et donc, comment ils se. Mais déjà, pourquoi ils étaient. Putain. Non, mais il y a trop d'éléments. En mode chez elle, dans sa cave. Ils étaient foncés, dans sa cave. Ils avaient juste envie de faire une drogue là où. Bah bien sûr, ouais, elle avait juste envie et tu dis ouais, bah bien trop sûr. De la légale. Et même quand t'es défoncé, t'as quand même une petite ting ting. Comment tu sais? Je sais pas. Comment tu sais? Je sais pas parce que j'ai vu ça à la télé. Ah, ok. Les okay. Reportages là. Okay. Ouais. Prochaine okay. Histoire. Là c'est la. C'est de mon téléphone, c'est la dernière de mon téléphone. Ok. C'est une tinguerie. C'est quoi? En gros, j'ai couché avec mon boss. Attendez, parce qu'elle a pas écrit français, du coup j'ai dû là aller voir la personne. Et elle a dit, je suis en couple avec un footballeur et je l'ai trompé. Et mon deuxième bord, du coup, qui joue au foot aussi, est tombé. Et je suis tombée enceinte du deuxième. Et en fait, elle est en train de faire croire à son mec actuel qu'elle est enceinte, mais c'est pas le père. Et les deux, c'est des footeux. Mais ils jouent quoi? Ils jouent. Bon, on sait que c'est une fausse bouche. Je suis concentrée, désolée. Mais j'ai pas compris. Regarde. Premier message qu'elle m'a dit, c'est j'ai couché avec mon bord et fait croire à mon mec qui est. Du coup, j'ai pas compris. Du coup, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Tu peux lire. Maman, il. Je dis dans ma tête. Non, lis à voix haute, tu vois. Ah, ok. En plus, avec un footballeur, et je l'ai trompé avec mon deuxième bord qui, du coup, joue aussi au foot. Et je suis tombée enceinte du deuxième et fait croire au premier qu'il est de lui. Je me suis dit soit j'avorte, soit je garde. Et du coup, j'ai fait croire au premier que j'ai pris des anti-inflammatoires, ce qui va. Causer ma fausse couche par la suite et lors de l'avortement je pense prendre des photos pour faire genre j'ai fait une fausse couche mais il veut trop un enfant donc je sais que ça va briser un peu mais c'est moins relou que si il élève un enfant qui est pas de lui. C'est une dinguerie. Elle est très méchante. Elle est trop méchante. Je suis désolée mais c'est une teint. Mais après de toute façon les photos ils veulent que tromper. Allez. Oui mais hein, là on parle. Ouais. C'est pas ça que je voulais dire, attendez. Ouais, recommence. C'est très méchant. Ouais. Manger. C'est elle la connasse dans l'histoire. Non mais, oh tu t'es trop choquée. Y'a rien à dire, c'est catastrophique. Genre, toute l'histoire de A.A. Non, franchement, c'est la catastrophe. C'est la sorcière. Catastrophe. Franchement, désolé de te dire ça, mais tu dois te revoir. Vrai pour de vrai. Attends, elle est encore avec un photo numéro 1. Mais oui. Mais oui. Et photo numéro 2, ça dit quoi? Et bah, photo numéro 2, bah, elle a juste. Juste tombé enceinte. Ouais, elle est toujours tombée enceinte, je pensais. Mais comment elle sait que ça? Bah, y'a des trucs de datation quand tu fais une échographie. Comment tu sais? Bah, parce que par contre, ça, je sais. Arrête de me prendre pour une demi tout le monde. Bah si, moi toutes mes copines elles sont enceintes, toutes mes cousines elles sont enceintes, donc je sais qu'il y a les dates de trucs de natation. Tu crois que je suis enceinte et que... C'est calme down. C'est une question. Parce que là tu veux me faire poser parce que je suis pas là. Ah ouais? T'es en train de dire que j'aborde des bébés. Ah starfuck. J'ai pas dit ça, putain. Si, t'as dit. Elle est enceinte. Non, surtout pas. Surtout pas, non pas du tout. Mais pourquoi?
Non, c'est une dinguerie, hein. Donc là, en fait, du coup, comme elle a eu... Franchement. Mais bah, moi, j'aurais dit la vérité, hein. Mais en fait, non, moi, j'aurais juste dit, ouais, je suis enceinte de toi et j'avorte. Pourquoi elle me parlait de fausse couche? Parce que le mec, il veut 3 enfants. Ouais, mais pourquoi, justement, elle est pas juste partie avorter et fermer sa gueule, en fait? Aussi. Ouais, elle aurait pas dû dire qu'elle était enceinte, bah, je te jure. Pourquoi elle dit au mec qu'elle est enceinte alors qu'elle sait très bien que c'est pas son enfant? Elle était... Peut-être au début, elle croyait que c'était lui. Bah. C'est vrai, ça peut être ça aussi. Parce que, admettons, je pense que forcément. Ouais, mais tu vérifies si tu sais que tu fais la tour, ouais, tu vérifies avant de péter de ce portable. Non, c'est vrai la raison. En fait, les femmes, vous êtes des chouins. Vous êtes des chouins. Franchement, il y en a vraiment, elles sont méchantes. Hein. Oh là là. Mais vous pouvez. Même si on vous dit ça, racontez-nous toujours vos secrets. Hein. On doit être sincère, on agit. Non, mais c'est pas grave, vous êtes des traînés. Il y a les hommes aussi, c'est des traînés. Tout le monde que des traînés. Tout le monde traîné. Hein. Ah, du coup, mais on n'a même pas clôturé la première, l'histoire de la fille qui fait. Ah, c'est juste une traînée. Ah, ok, d'accord. Mais qui continue toujours à nous raconter leurs secrets. Hein, parce oui, que mais t'inquiète. Ok, allez-y. En plus, il a déjà dit, franchement, tu veux qu'on dise quoi? Vas-y. Alors, trop la honte, seigneur. Ça commence bien. À un moment, j'ai repris contact avec mon ex, entre parenthèses, je précise qu'il est revenu vers moi, et pas l'inverse. Et vu qu'à cette période, c'était tendu avec mon mec, je lui ai raconté mes problèmes et tout. Et puis un jour, on a passé une journée et ensemble et on a fait la chose, sauf que j'étais pas officiellement séparée de mon mec de cette rouf. Comment ça, séparée de mon mec de cette rouf? De cette relation, je pense qu'elle voulait dire, non? Ah, je sais pas, c'est un langage de jeunes, peut-être. Même si c'était tout comme pour moi. Mais ensuite... J'ai quitté mon mec sans lui dire ce que j'ai fait parce que je suis une grosse vache. Et le pire, c'est qu'après l'acte, j'ai gardé contact avec mon ex, mais on n'a plus jamais fait de choses. Et évidemment, j'ai mis des distances physiques, genre je ne le vois plus dans la vraie vie. Du coup, elle a trompé son mec avec son ex, c'est ça? Ouais. Et personne ne sait. Il n'y a que elle qui sait qu'elle a fait ça. Ouais, elle a dit à personne. Et son mec actuel non plus, c'est pas son mec. Son ex, il savait pas qu'elle était en couple. C'est une question, son mec actuel. Bah si, elle lui racontait son ex actuel, elle a dit qu'elle a juste quitté. Enfin, ils sont séparés et tout, elle lui a pas raconté. Elle lui a pas dit. Ouais, c'est elle qui l'a quitté. Elle l'a quitté sans lui raconter. Ah, c'est bon, on s'en fout. Moi, y'a rien. Elle a quitté son mec. Elle le revoit, moi. Et l'ex en question, il était au courant du coup qu'elle avait un mec parce qu'elle lui racontait tous ses problèmes. Du coup, lui. Qui va à la chasse, perd sa place. Elle est heureuse ou pas? Attends. Elle sort même pas avec elle. Elle voit même plus l'ex. Bah oui. Elle voit plus son mec, elle lui a pas vite fait, mais elle a perdu contact, c'est ça? Ah, là, elle est encore avec. Ouais. Ah, non, elle est avec personne. Elle est avec personne. Ouais. Bon, bah, c'est carré, ouais, pour carré, moi. C'est carré, c'est carré. Moi, je pensais qu'elle s'était mise avec le mec avec qui elle avait trompé. Non, elle a juste trompé son mec avec son ex. Et puis, c'est. Non, mais de toute façon, après, elle l'a quitté. Après, elle l'a quitté. Ouais, c'est bon, tu l'as quitté. Bon, même si t'as pas dit les raisons, bah, tu l'as quitté, c'est bon. Ouais, non, mais ça n'allait pas déjà de base. Et puis, voilà, c'est toi qui fais tout. Mais en fait, si elle était encore avec, ça aurait fait chauffer. Mais là, vu qu'elle est plus avec. Le allô? Les gars, d'après, elle est arrivée. Enfin, oui, bonjour, vous êtes en bas? Ok, donc, bah, du coup, la nourriture est arrivée. La nourriture. Ouais, donc, l'histoire d'avant, ça va, ça va, moi, je trouve que c'est rien du tout. Genre en mode. Ouais, franchement, elle a bien. Moi, je trouve qu'elle a bien géré le truc, moi. Bah ouais. Moi je trouve t'as quitté, t'es pas obligé de dire, c'est bon, t'as pris tes marques. Non, mais c'est quand même, c'est une dinguerie de tromper, hein, mais. C'est bah, elle a trompé, mais c'est déjà fini. Ouais, c'est défini. C'est déjà fini, c'est déjà fini. Et en plus, elle a fini. C'était pas fini, c'était pas fini. Non, mais elle l'a vraiment officielle. Elle a fait un aller pas. Elle a quitté au final. C'est pas bien tromper. Non. C'est pas bien de tromper, je suis d'accord avec Fabien Zay, faut pas tromper. Ouais, mais là, elle a. Mais la vraie question, c'est pas une honte. Ouais, en vrai, c'est pas la fin du monde. Ça aurait pu mal. Non, ça aurait pu mal. Je t'aime pas. Vous êtes plus. Je te jure, la S, je vous le jure, elle dirait pas. Arriver. Non, ça, on dirait pas. Bien sûr qu'on dirait que j'ai jamais trompé de ma vie. Oh la matinée. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure. Bien sûr que toi, t'as trompé. Eh, je vous parle sérieux. Surtout elle. Mais pas du tout, c'est ça. Vas-y, eh. De toute façon, n'hésitez pas à liker, commenter. Alors. Allez, dernière story time. Non, il y en a deux, trois, mais c'est des trucs archi vite. Ok, vas-y. Alors, il y en a une qui a dit. On répond vite, hein, parce que là il y a l'épisode. Ouais, faut que ça mange. Aux toilettes, à son travail, ouais. Elle a oublié de fermer la porte. Ouais. Donc, déjà, pourquoi elle a oublié de fermer la porte? Mais vas-y, tranquille. Ouais, tranquille, ouais. Et peut-être, non? T'as dit quoi? À clé, oui, je pense aussi. Oui, mais. Mais ouais. Genre en mode dans la République, je fais toujours avec ouais, un jour. Jamais. Surtout au taf, tu sais qu'il y a les. Elle a dit, elle a oublié, vous la laissez. Ok, ok. Okay. Mais pardon, c'est. Oui, pardon, c'est vrai. Comment c'est petit oiseau? Ensuite, elle a dit, son collègue il est venu pour aller aux toilettes et il a ouvert la porte et il a vu son. Cuit. Oh ah bon, je serais mort à retourner. Je serais plus jamais. Tu sais, je serais rentrée. Je peux mourir. Je serais rentrée chez WAM. Genre, le mec, toujours, il la voit, il sait son cul ressemble à quoi.
moi. J'aurais changé de taf et je serais partie à la mif même. Là c'est pour me tuer. Comme ça j'aurais oublié. Et j'ai demandé du coup ce qu'elle a fait, s'il y a une suite. Et ouais. Ce qu'elle a fait, elle a dit il n'y a pas de suite. Quand j'ai fini la journée, j'ai fui sans rien, sans dire au revoir à personne. Les jours suivants, je lui ai dit bonjour, mais j'ai évité tout contact. Et après, elle a dit c'est derrière moi, le moral toujours La morale, la morale la porte. De toujours fermer la porte. Je vais jamais oublier, franchement. Merci. Franchement. Merci parce que chaque fois. Désolée, ma belle, mais il y a que toi qui oublie de fermer la porte. Franchement. Franchement, mais ouais, la morale, ouais. En plus, ça veut dire que c'était toilette mixte en plus. Oh là là, mais c'est sûr qu'il fallait que je ferme la porte, meuf. À la limite, c'est de toilette de meuf, je me dis, allez. Pourquoi pas. Mec. Eh. Genre mixte. Non. Cuit dehors. Le cuit. Waouh. J'attends la pizza, mais ça va me regarder. Ah ouais, ouais. Fais j'attends ça. Ouais. Ça fait depuis samedi, elle va manger, on est mardi. Je suis affamée. Ok, je suis à genoux. Alors, coucou, hein. Anonyme, please, toujours. C'est sûr. Alors, je suis comorienne, et chez nous, la virginité est indispensable avant le mariage. Mm-hmm. Il arrive même des fois où un mariage soit annulé car la mariée en question n'est pas vierge. Ah ouais. Et du coup, après, elle ne peut pas se marier. Ouais, mais après, ouais. L'histoire est récente, j'ai 19 ans et ça s'est passé quand j'avais 17 ans. Je sortais avec un bouc plus âgé que moi et il m'a incité à le faire, Mougouli. Je voulais pas. Elle écrit entre parenthèses. Mougouli. Je voulais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais pas, mais il s'est passé ce qui s'est passé. Un détail important, c'est l'époque où je passais le bac. Il s'avère que 2 mois avant le bac, je voyais pas mes règles. J'en ai parlé au bouc. Et il achète un test et c'était positif. Vu les circonstances, j'étais contrainte d'avorter. Toutes ces choses, je les ai cachées à ma famille. Personne n'est au courant jusqu'à maintenant. Le bouc, on se parle plus. Je l'ai quitté car je lui en veux. Et des fois, quand j'y pense, je me sens tellement mal. Aujourd'hui, je regrette tellement, mais c'est le destin. J'accepte et j'avance quoi que j'ai fait. Quoi que j'ai fait irréparable. En gros, même si j'ai fait irréparable, en passant, j'adore ton contenu, bisous. Oh, c'est coucou, triste. Copain. Mais c'est pas des jeunes. Ouais, les plus jeunes. Jeune, mineur, il était plus âgé, il lâchait. Je sais pas quoi dire. En plus, j'imagine que c'était au commun. Ou c'était en France, elle a pas dit? Non, ça a l'air d'être en France. Non, ça a l'air d'être en France. Ah ouais, ok, j'avais pas qu'elle était en France. Il n'y avait pas d'accent quand j'ai entendu. Okay. À part dans Mougouli. Ouais. Mougouli, c'est pas encore un truc. Non, mais entre parenthèses, peut-être. Bref. Du coup, non, j'ai rien à dire en vrai. C'est... Enfin, ouais, je peux comprendre qu'elle s'en veut parce que c'était quand elle était hyper jeune et tout. En plus, c'était un grand ouais. Mais en vrai, je pense que tu t'es aussi peut-être fait, comme tu étais jeune, manipuler entre guillemets. Genre, ouais. Tu vois. Donc, en vrai. Ouais. Juste. J'espère que ça va aller quoi. Enfin, on dirait que je suis hypocrite comment je parle là. Non, mais parce qu'en gros, non, ça va pas parce que. Ça va pas, ouais. Ouais, c'est ça le truc, mais en vrai, elle peut rien faire. Oui, elle peut. Bah, en fait, il faut juste que t'avances quoi. C'est l'histoire de ta vie, c'est ton passé. Et faut que t'avances avec. Avec l'air. Enfin, genre, regarde, elle a juste le nom. Oui, tu vois bien que ça va pas. Non, ça se voit, elle a créé un code pour dire. Mais oui. Ah, tu vois pas que ça va pas. Ah, ça va pas. Ça va pas, merde. Ça va pas. Ça va pas. Ah, elle est pas bien. Oh, ma copine. Ça va, elle est mort. Franchement, bonne chance. Ouais, bon, bah. Non, franchement, pour de. En fait, je sais même pas quoi dire. Bah oui, j'ai rien à dire en vrai. Juste, bonne chance. Faut que tu. Genre, vas-y, on va. Non, vas-y, c'est bon, on va manger, d'accord. Non, je suis comme ça. Non, on va laisser la purée parce que juste. Faut que tu. Ouais. Le problème c'est que manger la pizza, tu vois pas qu'on a besoin de nous là. Ouais mais Mougouli est déjà fini, je suis désolée. Purée, Mougouli est terminée. Je suis n'importe quoi. Mais c'est chaud. Non mais. Ouais, je regarde que les cartons depuis tout à l'heure. Vas-y. Franchement, ouais. Ouais. Tu vois quoi? On va faire une dites-nous si vous voulez une partie 2 en commentaire. Mais dites-nous des secrets vraiment bien méchants. Mais là c'était bien, c'était bien. Encore moi, genre. Tu vois quoi, tu mets des crimes? Ouais. Non. Non, mais j'appelle les gars. Si vous avez buté quelqu'un, vous envoyez un message. Je rigole. Adresse privée tout de suite. C'est genre en mode je veux que des gens m'ont fait des trucs bien. On est choqués. C'était chaud là. Ouais, Ouais, ça va. C'était chaud, il y a tout qui était chaud. Ouais, c'était chaud. Merci les gars. Bon, en tout cas, merci. N'hésitez pas à aller follow mes copains sur Instagram et sur leur chaîne YouTube. Allez regarder leurs vidéos YouTube parce que forcément, il y en aura une qui sera mise quand on aura mis celle-là.
Ouais. Faut les menacer. Si jamais vous voyez pas menacer, n'est plus comme ça, c'est clair, ok? Ouais. Voilà. Sur nos Instagram, @tbg, Farida, Gramixo et Blaziana. Voilà. Allez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et vous abonner à la chaîne Keisha et The Broker. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bisous.